15 mars 2020. Point de presse, au commandement pour cela, c'est ça qui est passé hier. Le moment, la police termine l'opération. C'est bon, mon chef. Bonjour tout le monde, et moi remercie pour la présence nous et la patience. Tant que nous connaissons, la police est engagée dans une bataille contre crime organisé, spécialement contre enlèvement, contre kidnapping, et a bouleversé une société dans la poche de la tête. L'opération hier, c'était une phase décisive de l'action que nous avons déjà menée contre le phénomène ça. Parce que c'est un côté qui a été plus fort que nous avons été. Dans l'opération ça, nous avons perdu 4 policiers avec 8 autres blessés. Dans les blessés, 5 déjà sortis de l'hôpital et 3 autres dans l'hôpital. Et pour état stable. Et nous avons matériel qui était sous théâtre d'opération. Commandement a présenté ses matières à la famille policière victime et pris engagement pour accompagner comme ça doit. Ses matières commandement a joué tout policier et rappelé la nécessité pour renforcer la solidarité. C'est parti tout à tout le monde dans la population qui a soutenu fort la police et qui est stomaqué pour la publicité qui fait à corps policier. Nous avons fait connaître que la police n'a pas fait bac. Nous n'avons pas qu'à faire bac. Parce que nous avons une mission pour l'accomplir et nous avons qu'un meilleur engagement que nous devons. C'est protéger accès des populations. Merci pour vos questions. Merci, Jean. Bonjour tout le monde, et moi, je vous remercie pour la présence de la passage. Tant que nous connaissons, la police est engagée dans une bataille contre plus organisée, spécialement contre les banques, contre le kidnapping, qui a bouleversé une société dans la poche. L'opération hier, c'était une phase décisive d'action que nous avons déjà menée contre le phénomène ça. Parce que c'est un côté pour Kembe, puis pour le monde, nous quittons mieux. L'opération ça, nous avons perdu 4 policiers avec 8 autres blessés. Les blessés, 5 déjà sur le hôpital. Pour l'autre, et pour être stable. Et nous avons des matériels qui ont été sur le théâtre d'opération. Commandement a présenté ces matériels à la famille policière et pour engagement pour accompagner comme ça doit. Ces matériels commandement a joué tout policier. Et rappeler la nécessité pour renforcer la solidarité. C'est parti tout à tout le monde dans la population qui a soutenu fort la police et qui est stomaqué pour la publicité qui fait à corps policier. Nous avons fait connaître que la police n'a pas fait bac. Nous n'avons pas qu'à faire bac.
parce que bon mission on a accompli et là quel meilleur engagement que le débat c'est protéger accès des populations. Merci pour vos questions. Merci Jean. Pour 2 septembre, il fait tout journaliste à eux. Nous fait plus que 3 septembre quand Chitana pour déjà avoir une question. Louis vient parler pendant 2 minutes et bien c'est bien malheureux déjà avoir une question. Nous mettons chaque fan à LTV et bien nous est déjà avoir même pas une question. Il seulement parler pendant 2 minutes et bien. Il va déjà parler seulement 2 minutes, et bien 2 minutes 30 secondes, et bien nous avons besoin. Et bien c'est bien malheureux, il pas prendre question, il seulement regretter sa idée. Il fait qu'on est bien. Il y a des matériels qui étaient sous terre, il y a tout bien ensemble. Nous avons chaque fan, c'est un plaisir. Non seulement policier, mais en tant que syndicaliste qui défend l'institution et qui défend les policiers. Et donc, ça me dit en plus de ça qui est passé, c'est que faut que les choses révisent par rapport avec les gens opération à faire au niveau de la police. Et déjà la police a eu une brève intervention dans le point de poste que nous avons dit. Alors, il y a un peu de estimer que le papa a ses détails, pas un message qui baille. Bon, moi-même, je pense que ça est côté technique par le directeur général de la police. Là. Nous n'avons pas trop pour nous opiner sur les déclarations qu'il fait. Sauf que nous sommes capables de remarquer, il dit que la police là, n'est pas baissé les bras. Je pense que c'est normal. Si toutefois que nous sommes unique force de l'ordre dans le pays, après que par rapport à sa classe là, la police là obligée et faillir avec mission que lui. Était que pour eux seulement assumer les responsabilités. Mais normalement, en tant que policier, opération ça aussi, dans le quartier populaire, comment le tas doit être fait? Est-ce que vous pensez que vous avez failli dans cette affaire? Moi, je pense qu'à travers tout le pays du monde, il y a une opération. Et opération, il y a un planning qui faut faire. D'abord, lors de l'entrée village de Dieu, par exemple, ou pas qu'à livrer policier n'importe qui, ou faut village de Dieu, il faut gagner informateur. Qui dans zone là qui ba ou information qui pour dire mais côté ou ka rentrer mais côté que ou pas ka rentrer nous même au niveau Sénapois nous estimer que nous pas dit opération était mal planifié même penser que était gagne une légèreté bon côté équipe cellule qui responsable pour planifier opération au niveau la police et ça fait que nous même dans Sénapois nous demander que les opérations à fait faut que nous make sure que tout ça qui supposé mettre en place pour opération réussie, que vous mettez. Parce que nous sommes capables d'imaginer plusieurs opérations faites, ce n'est pas vrai bandit qui est victime. C'est quand la police, vous estimez que il y a près de 5 policiers qui mourent, monsieur, pour 3 chablendés. Vous pensez que c'est parce que vous avez une négligence pour côté monde qui a planifié l'opération qui cause que ça arrivait. Prochaine fois, nous souhaitons que vous avez plus de précautions qui prennent, plus pour mettre tout ça supposé mettre en place pour permettre que l'opération réussisse. Ok, ouais. Comment vous dites que c'est 5 policiers qui mourent et déjà la police a présenté ces 4 policiers et côté l'autre bien s'en sortir beaucoup de fois. Bon, nous-mêmes au niveau Sénapois, information que nous connaissons que 5 policiers qui mourent. Ces 5 policiers nous gagnons qui mourent jusqu'à présent. Il n'y a pas qu'à récupérer corps policier ça. Et ça fait que nous-mêmes, dans le Sénapois, nous avons demandé au gouvernement, nous avons demandé à la direction générale de la police pour utiliser un canal, soit la Croix-Rouge haïtienne ou bien l'organisation des droits humains, pour permettre que les liaisons qui fait pour récupérer corps policier. Parce qu'au moins, il faut nous récupérer corps policier pour que les familles soient capables de rendre un dernier hommage. Nous ne pas sentir
velléité ça, une volonté ça auprès de la police là, CSPN là, pour permettre que policiers yo, parents yo récupérer corps. Donc ça ali indigne nous en tant que policiers. Vous comprenez? Moi les policiers qui dit démissionner, est-ce que nous pas faire une situation ça pas attaquer moral tout là? Bon moi même je pense que si c'est pour moral attaquer, moral policier attaquer par rapport avec ça qui arrive là. Et surtout, yo vinn remarquer pas une réponse rapide qui baille par rapport à ça à ça qui passé là, ni indigner nous en tant que pour le policier. Ça fait que l'important pour gagner et intervention qui fait rapide, est-ce que nous ca quitter deux chats blindés dans main monsieur Yonda? Non, il faut que la police en façon que nous fait pour le prendre chats blindés. Et nous même nous va encore des cellules qui étaient planifiées. Bon, parce que nous même nous pas au courant de ça. Direction générale de la police gagne une cellule qui planifie opération, ça lui même n'est pas dans compétence nous pour nous connaître qui c'est l'île en dans direction générale de la police. D'accord, merci. Les policiers qui l'hôpital, est-ce que nous des informations de yo, comment ils passent de... Et Jean qui autant de directeur général là, la police a dit là, gagné trois policiers qui toujours l'hôpital, ça fait que nous avons son message à tout le monde de bonne volonté qui est capable d'aller sans pour les policiers parce que ils ont un état qui est critique, ils ont besoin d'opérer. La pandémie pour aller bailler sans de façon à ce que pour frère nous, pour cousin nous, pour famille nous, qui c'est pour les policiers capables et faire opération que vous méritez. Est-ce que. Moi c'est Lazare Lionel, agent 3, moi c'est coordonnateur syndicat national des policiers haïtiens, SINAPO. Regardez, comment. Je suis en train de faire la